bouge pas. Complètement loupé. Bouge pas. Je t'ai eu. Merde, il est rapide. Tout va bien. Cet endroit n'est pas glauque du tout. Génial. Qui est là? Montrez-vous! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez.
Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Vous aviez une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Donne-moi un coup de main. Qu'y a d'autres infectés de ce côté? Ils sont un paquet! Ils ont dû suivre! C'est peut-être vous qu'ils ont suivi! Peu importe! On est coincés ici ensemble! La voie est libre. Par ici. Je suis là.
Tu tiens le coup? Ne vous en faites pas pour moi. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va. Du caca. Sors de là! La porte est par là. On y était presque. On doit aller là-haut. Là, on peut utiliser cette échelle. Soulevez-moi. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. Mm-hmm.
Ok, dépêche-toi. Et fais attention aux infectés. Je sais. Ok. Et voilà. Allez. Attention. Allez. Par ici. Viens, petite. Forcément une sortie. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Je cherchais justement ces garçons. Peu importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Regarde si tu vois des choses utiles. Tu vois un truc? C'est un cul-de-sac. Comment ils s'y retrouvaient dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On les repousse. On n'a pas d'autre choix. Mourir. Je vois. Prépare-toi! Ils sont combien au juste? J'en
J'en ai aucune idée. Allez, t'arrête pas. Derrière toi! Plutôt être contente. J'ai du mal à y croire. Je vais voir le pont. Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser filer. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors.
Je peux te protéger. Non, merci. Tirons-nous d'ici. Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Monsieur, elle est là. Hey, il y avait les traces d'un cheval en bas de la rue. Elle est là. Tiens, ramène ton cul. Qu'est-ce que t'attends? Bute là. David a dit. On s'en bat. Allez. Bute là maintenant. Avance. Là, sur là. Thank you.
hommes ont été tués là-bas. Je ne sais pas si c'était elle. Je vais aller te faire foutre. Prends pas de risque. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. Mon Dieu. On a un homme à terre ici.
moitié de découverte. Bon, ça devrait faire l'affaire. Me par la route. On y va. Tiens, bon, Joël. T'as entendu ça? Fais gaffe.
je m'échappe d'ici. Je veux pas être piégée ici. Où est la sortie? Voilà la sortie. Tu calmes. T'es en sécurité. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes?
Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. 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 Ellie! Où est-ce qu'elle est passée? Voilà. Merde. Couvre-moi! Où est-ce qu'elle est?
Je te ferai parler d'une manière ou d'une autre. Tiens, le connard! Allez, achève-le! Tiens-le bien! Oh merde! Seul! Je te fais! Tu viens avec moi. Lâche-moi! Où c'est le petit? David. Où ça? Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Va te faire foutre! Il t'a dit ce que tu voulais savoir! Je te dirai que dalle! C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends! Attends! Debout là-dedans! Allez! Lâchez-moi! Ça! Non, arrêtez! Je t'avais prévenu! Je suis infectée! Je suis infectée! Vraiment? Et vous aussi? Allez-y. Relevez ma manche. Regardez! Je vais jouer le jeu. Ah!
que vous disiez. Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça. C'est quoi cette merde? Elle se serait transformée. C'est impossible. Ça m'a l'air vachement possible à moi. Aidez-moi que je le dis. On est été trop cool. Cette fille a tué nos bottes et maintenant elle est infectée. Faut arrêter les conneries. Après, on pourra réunir une assemblée et le soumettre à vote. Tu la vois? Labyrinthe.
Détends-toi, elle va pas te mordre. Je dis juste que ça peut devenir un problème. On a déjà un problème sur les bras, et on va le régler. Allez, on se concentre, faut la trouver. On va les traquer! Cher, sale petite conne! Cherche encore! Je vais où? Calme. Tire à nulle part. Pour sortir, il va te falloir ces clés. Je sais que t'es pas infecté. Un infecté ne se battrait pas à ce point-là pour rester en vie. Alors, que choisis-tu, Ellie? Je dois reconnaître. T'as failli m'avoir. T'as réussi à me faire douter. Seulement un instant. J'ai entendu.
laboratoire. Au fait, Ellie, je suis navré pour ton cheval. Sincèrement, tu peux te consoler, on fera un bon usage de ton cadavre. Je regrette vraiment que t'aies tué James. C'était quelqu'un de bien. Il faisait juste son travail. Ça vaut pour tous ceux que t'as tués. Ça ne fera que renforcer notre groupe. On aura moins de bouches à nourrir. On sera plus fort. Ellie ! Allez, viens ! Je suis sûr que tu meurs dans l'île, bref. Quel dégénéré. Oh, très bien. Tentez, petite. Tout va bien se passer. Tu sais, tu me surprends sans cesse. Dommage que t'aies pas changé d'avis. Mais c'est trop tard. Se pointe, faudra pas la rater. On devrait surveiller l'abri. Il y a une infectée qui se travaille en ville et on garde cette putain de sortie. Mais la gamine est dangereuse. Et on sait pas où elle va réapparaître la prochaine fois. Alors on doit faire super gaffe. Thank you.
Les affaires d'Eli sont là. Oh, bordel. Il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve.
savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça. Non, Ellie. Inutile d'être aussi grossière. Tu peux me supplier. Tu penses me connaître? Laisse-moi te dire des choses. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. C'est moi, regarde. C'est moi. Il a essayé de... Ça va. Tu m'as entendu? Non. Quoi? Regarde. C'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. Tu sens cette brise? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ellie, je te parle? Non. Oh, ouais, carrément, ça a l'air cool.